Mon mot aujourd'hui est le traitement de données personnelles. Alors, qu'est-ce qu'un traitement ? Un traitement, ça a une définition qui est très large. Un traitement, c'est toute opération appliquée à des données personnelles. Par exemple, consulter, analyser, transmettre des données personnelles, c'est réaliser un traitement. Une analyse d'impact, ou Privacy Impact Assessment, c'est une analyse à 360 degrés d'un traitement de données personnelles. Une analyse d'impact, c'est finalement une analyse des risques pesant sur les droits et libertés des personnes. L'objectif, c'est de s'assurer que tout est mis en œuvre pour que les droits et les libertés des personnes soient protégés au maximum. Par exemple, quels sont les risques ? Comment protéger les droits et les libertés des personnes lorsqu'une organisation décide d'utiliser de l'intelligence artificielle dans son processus de recrutement ? L'analyse d'impact va permettre d'analyser en profondeur ce traitement.